Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test sur Sly Raccoon, un jeu sorti en 2002 sur PS2, développé par Sucker Punch, une exclusivité à Sony. Donc là, on est sur la version HD remastered sortie sur PS3, je ne sais plus quand. C'est très préparé, c'est très préparé. En tout cas, on est parti. Et généralement, voilà, c'est quand même assez à la mode de faire une introduction. Voilà, quand on lance le jeu, d'avoir le jeu qui montre directement son moteur graphique dans les menus, dans le menu principal. Parce que Ratchet & Clank fait de même, et aussi Jak and Daxter, et d'ailleurs en parlant de Jak and Daxter, de Naughty Dog, Naughty Dog ont collaboré avec Sucker Punch. Hop, pour pouvoir faire ce jeu. C'est pour ça qu'on retrouve un peu le style quand même. Un petit style Naughty Dog. Même si bon, globalement c'est Sucker Punch qui ont développé Sly Raccoon. En tout cas, pour la petite histoire, du jeu, synopsis du jeu, si je puis dire, on dirige Sly, voilà, Sly Cooper, un voleur, mais pas n'importe quel voleur, ce n'est pas un méchant, détrompez-vous, c'est un voleur qui vole les voleurs. Voilà. On joue un gentil. C'est important de le souligner. Et donc il fait partie, voilà, d'une famille, la famille Cooper, qui a pendant des siècles toujours volé les voleurs. Évidemment, je vous explique ça un peu à l'arrache. Je vais vous mettre dès maintenant la petite introduction du jeu, quand on finit la cutscene. Quand on finit le tutoriel au début. Une fois de plus, nous avions échappé à l'inspecteur Carmelita Fox. À ma grande surprise, elle le prit plutôt bien. Enfin, le fichier secret de la police après tant d'années de recherche. Grâce à lui, je pouvais venger ma famille et reprendre notre bien le plus précieux. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts, et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les deux gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le techno-génie et fin stratège, et Murray, chauffeur occasionnel mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 maléfiques, de venger mon père et de reprendre le Volus Ratonus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. Alors après cette magnifique cutscene qui a été faite avec un style très particulier, un style comment on peut appeler ça, bah, ça fait un peu style bande dessinée, sauf que ce n'est pas vraiment animé, c'est que image par image. Ce n'est pas animé en 24 images par seconde, comme un classique Disney par exemple, ou 11 ou 12 images par seconde, je ne sais plus combien, pour un manga. Mais ce style-là rend très bien, je trouve, et puis
ça donne quand même un côté assez dynamique lors des cutscenes au jeu. Au lieu d'avoir fait juste avec le moteur graphique. Même s'il y a bien évidemment des cinématiques, enfin des cutscenes faites avec le moteur du jeu. Moteur du jeu qui est quand même assez plaisant à regarder. Surtout que là, voilà, avec cette version PS3 remastered, voilà, c'est. Ça a été entre guillemets remis au goût du jour avec un filtre HD assez conséquent. Hop, le jeu est en 720p. Donc ça c'est plutôt cool et ça rend très très bien. Par exemple, moi sur ma télé 55 pouces, ça rend vraiment très bien. Hop. Alors là, comme vous pouvez le voir, le gameplay est assez fluide. Alors là, je vous ai pas. C'est vrai que bon. J'ai mis un peu de temps à vous expliquer un peu l'histoire du jeu. Et comment il a été développé, etc. Mais. Évidemment, mais qu'en est-il du gameplay? Vingt dieux. Voilà. Ah, fichtre. C'est quand même. C'est quand même ce qu'on a en main quand on lance le jeu. Donc, alors, on a le bouton croix qui nous permet de. Hop. De faire. De sauter, classique. Ou faire un double saut. Le personnage se manie très bien. Quoique un petit peu trop. Comment dire. J'ai l'impression que. Quand il tombe, il est un peu trop léger en fait. Le personnage est très très léger. Hop, carré pour pouvoir frapper. Mais bon, ce n'est pas trop problématique et c'est un truc, c'est un coup à prendre. Hop. Ah, on peut pas aller là-dessus. Ah, mais il y a certains endroits, par exemple. Parce qu'avec le bouton rond en fait, le bouton. Pour exécuter en fait enfin le bouton d'interaction en gros par exemple là hop j'appuie sur rond en sautant et Sly s'accroche directement au tuyau et monte d'une animation assez exceptionnelle pour l'époque qui a plutôt bien vieilli hop et on peut aussi hop comme ça se cacher parce que évidemment on joue un voleur et la plupart des voleurs sont assez espiègles et arrivent facilement à s'infiltrer sans un bruit. Hop, attention. Bon, attention. Donc il y a un petit peu d'infiltration. Même si bon, c'est de l'infiltration de bas étage. Hein. C'est assez rapide, net et efficace. On n'a pas besoin d'attendre pendant 3 plombes la ronde d'un ennemi. Pour pouvoir passer. Et puis surtout, on peut. C'est assez. Quel mot je peux employer C'est assez facile, quoi. C'est assez accessible, voilà. Ah, et là, par exemple, voilà, il y a quelques petites bonnes idées. Comme voilà, le fait de se cacher dans ce tonneau pour pouvoir avancer et ne pas se faire canarder par ces trucs-là. Parce que avant cela, hop. Voilà, on peut appuyer sur L1. Alors, normalement, la première fois qu'on fait le jeu, on est obligé d'avoir les cutscenes. Les cutscenes comme celle-ci. Ah, qui ne s'est pas enclenchée, c'est génial. Parce qu'on peut utiliser nos jumelles aussi, c'est bon. C'est pas très utile, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, quand on lance les cutscenes, et ben, y a notre collaborateur, Bentley, qui fait toujours les briefings avant de lancer l'émission. Qui à chaque fois nous aide et nous donne des indices ou pour pouvoir avancer dans le jeu sans trop de difficultés. Voilà, là c'est. Donc à chaque fois il nous montre à peu près quoi faire. Après c'est à nous de nous débrouiller. On est quand même assez pris par la main à ce niveau-là. Mais ce qui est pas mal, c'est que bah, ça rentre complètement dans le scénario, en fait. C'est carrément un personnage qui nous aide,
ce ne sont pas juste des fenêtres, je ne sais pas comment expliquer ça, des... Bah, ça introduit complètement le scénario du jeu, tout simplement. Donc c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Hop, et là on peut se cacher comme ça. Hein. Quand on s'arrête, l'ennemi ne peut pas nous voir. D'ailleurs, la visibilité de la plupart des ennemis dans le jeu se font avec les lampes torches qu'ils tiennent. Et ça, c'est plutôt assez bien foutu pour pouvoir savoir exactement où ils peuvent nous voir. Parce que bon, on n'a pas... Parce que même si c'est un jeu d'infiltration, entre guillemets, infiltration et plateforme, plateforme action. D'ailleurs, c'est toute la particularité de ce Sly Raccoon. Ah purée, à chaque fois j'oublie, ouais, faut avancer avec ce truc là pendant tout le niveau. Voilà, c'est la particularité de ce niveau. Donc là attention à pas hop se faire repérer par les projecteurs. On a le droit à deux chances pour les projecteurs. Hop, il faut détruire l'alarme. Hop, et par contre ces ennemis là s'ils nous voient, ils nous tuent instantanément. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ce fer à cheval sur le dos. Ce fer à cheval me permet de d'avoir une seconde chance. Alors quand il est argenté, on perd après, une fois touché, on perd le fer à cheval et il ne reste plus qu'une chance. Et s'il est doré, on a une chance en plus. Donc on peut se faire toucher deux fois. Voilà, mais c'est assez rare d'avoir un fer à cheval. Alors là c'est plus parce que j'ai fait plusieurs fois les niveaux, j'ai fait un peu du speedrun parce qu'il y a un système de speedrun aussi qui est plutôt pas mal. Je vous montrerai plus tard. Et donc cela m'a permis d'avoir pas mal de pièces. Et les pièces que l'on récolte à droite à gauche, une fois que on en a 100, bah ça se remet à zéro. Mais c'est pas comme dans un Mario où l'on gagne une one-up. Là en fait on gagne du coup un fer à cheval. Voilà. Attendez, du coup je vais revenir au début, parce qu'il y a une cutscene qui est pas mal, qui montre à peu près la base de l'ennemi de ce premier niveau. De ce premier monde plutôt. Bon, un monde est composé d'à peu près 4 ou 6 niveaux avec un boss en prime. Et à chaque fois on s'infiltre en fait dans la base du boss. Après le boss voilà en question à chaque fois une histoire, un passé entre guillemets tragique, pourquoi il est devenu comme ça, etc. Bon, c'est un petit peu vous allez me dire c'est quand même assez assez stylé, voilà, qu'on ait comme ça la vie passée des boss qui aient leur petite histoire. Mais bon, après c'est quand même, on est dans le premier épisode de Sly. Et dans ce premier épisode, le scénario est quand même assez simpliste. Donc ça reste enfantin et tout. Mais bon, sans pour autant être gnangnan. Et le fait que voilà, le héros Sly parle d'une manière assez soutenue et en même temps se moque de ses adversaires, mais avec classe. Ça permet d'avoir quand même une sorte de réécriture, de relecture quand on refait le jeu une fois adulte. Plutôt marrante. On peut redécouvrir le jeu plus tard, comme aussi les enfants peuvent y jouer, tout simplement, parce que c'était quand même un jeu tout public, etc. Là, je vous montre vite fait la cutscene. Donc on a pas mal de cutscenes comme ça. Alors on n'en a pas... le rythme est plutôt bon, hein, c'est pas trop long. C'est pas comme le codec dans Metal Gear Solid, où là c'est quand même un petit peu abusé. Là on a quand même un rythme assez rapide,
Bentley va direct à l'essentiel, il nous montre quoi faire pour pouvoir avancer, etc. Puis c'est très bien expliqué, et plutôt bien écrit, avec un peu d'humour, Sly qui a ce côté un peu narcissique. Évidemment, ça reprend le style Arsène Lupin. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. C'est bon, ce n'est pas ma première prise. Il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Car bon, c'est quand même... J'ai jamais fait de vidéo sur Sly. Donc faut tout expliquer, un petit peu comme Mario Party. Hop. Ah oui, d'ailleurs, on récupère quelques one-up comme ça. Alors bon, les one-up, ce n'est pas vraiment utile, vu que, bon, il me semble que quand on perd toutes nos vies, bon, ça nous remet juste dans le hub central. Après, on recharge juste le monde, et on revient sur le niveau sur lequel on a perdu. Voilà. Mais c'est tout. Donc bon, au final, ce système de vie ne sert pas à grand chose. Je vais aller par là-bas. Là, on peut appuyer sur Select. Et on peut voir le nombre de niveaux qu'il y a dans ce monde. Et à chaque fois, avec Select, on peut voir la carte du monde en question, dans lequel on est. Il y a, il me semble, 4 mondes en tout dans le jeu. Ce n'est pas non plus énorme, le jeu est très court. En termes de durée de vie, c'est quand même un jeu très très court. Ils doivent faire un peu moins de 10 heures. Même encore, purée, je suis gentil. Il me semble que j'ai mis que 6 heures à le finir, un truc comme ça. C'est quand même un jeu très très court. Bon, on va dire entre une fourchette entre... Bon, allez. Pour être sympa, entre 7 et 10 heures. Ah, et aussi, là... Avant, par exemple, cet endroit-là était rempli de cadenas. Alors, on pouvait pas utiliser cette espèce de canon pour pouvoir avancer. Mais, voilà, quand on termine des niveaux, en fait, on déverrouille, enfin, on débloque des clés. Ce que l'on voit en bas à gauche, là, le feu de l'enfer, par exemple. Y a un premier symbole, donc c'est la clé que l'on obtient en finissant le niveau. Clé qui nous permettra de déverrouiller, voilà, d'avancer dans le monde. Donc par exemple, voilà, là par exemple, il fallait peut-être 6 clés, donc il fallait finir 6 niveaux dans le monde pour pouvoir débloquer ce canon. Voilà à quoi servent les clés. C'est un peu comme les étoiles dans un Mario. Dans un Mario 64, en l'occurrence. Sinon, au milieu, c'est... si on récupère toutes les bouteilles dans un niveau... alors c'est vrai que je... Ah, c'est vrai que c'est une sauvegarde là, et donc je peux pas vraiment vous montrer en exemple les bouteilles que l'on doit récolter. Mais normalement dans chaque niveau en fait on a entre 20 et 25 bouteilles, bon des fois que 15. Des bouteilles avec une lettre à l'intérieur, voilà c'est les bouteilles qui sont jetées à la mer. Entre guillemets. Que l'on doit... Que l'on doit récupérer pour pouvoir en fait après déchiffrer le code des machines, enfin des coffres forts. Parce qu'en fait voilà, c'est un coffre fort que l'on voit en symbole ici. Et donc si on récupère toutes les bouteilles, on peut déchiffrer tous les coffres forts. Et chaque coffre fort en fait nous mène à... enfin nous donne... une nouvelle capacité, généralement. Par exemple, attirer. Voilà, ça se permet d'attirer les ennemis. Donc si un ennemi éclaire ce faux Sly, eh ben, il attaquera ce faux Sly. Donc nous, on pourra passer à côté en douce. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose parce que le level design n'est pas trop fait pour ça. Et je trouve qu'on a un peu trop de... On a un peu trop de trucs comme ça qui sont... comment dire, un peu gadget, hein.
qui ne nous servent pas à grand chose. Ah, ah purée, j'ai du mal à parler. Qui ne nous servent pas à grand chose. Hop. Ah, et l'animation de Sly est magnifique. Alors on peut marcher tranquillement, en douceur, sur la pointe des pieds. Alors, on peut pas mal doser avec le stick directionnel, ça c'est plutôt bien fait. Sinon voilà, assommer par exemple, voilà, ça c'est... Je m'en suis jamais servi. Peut-être pour assommer un adversaire, je ne sais, j'en sais rien. En piqué, donc ça c'est... C'était plutôt utile au début. Voilà, hop, faire une attaque en piqué comme ça, au lieu de taper comme ça en avançant. C'est plutôt pas mal. Bah, d'ailleurs, hop, en sautant, hop, ça... Il fait un espèce de stomp. Sinon, vite, donc ça c'est vite, c'est tout. Tout est accéléré, tout est multiplié par deux. Voilà, tout simplement, donc on peut voilà, avancer plus vite comme ça, mais en même temps les ennemis avancent aussi plus vite, hein, forcément. On accélère le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, 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 je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah, miner, si on peut, on peut poser des mines. Alors, enfin les mines c'est notre casquette. En appuyant sur triangle, hop, on fait exploser la mine. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah si, quand on reste appuyé sur rond, on est invisible. Et on peut avancer en étant, tout en étant invisible, et ça c'est une capacité que l'on débloque dans un niveau en ouvrant un coffre-fort. Bah vous savez à peu près tout pour les coffres forts. Et donc le dernier truc, alors ça va être très rapide à expliquer, le sablier, bah tout simplement, c'est un mode contre la montre. Voilà. Et généralement, faut speedrunner le niveau. Mais vraiment speedrunner pour le coup, c'est vraiment à la seconde près. Par exemple, ouais, là j'avais que une seconde. Bon là c'était plus simple, il me restait 13 secondes. 9 secondes. 4 secondes. Bon, et j'ai pas fait tous les niveaux, parce que c'est vraiment un niveau au-dessus, ça. C'est encore les coffres-forts, je les ai tous faits. C'est pas très difficile hein, de platiner ça. Par contre, le contre-la-montre, c'est autre chose. Bon, alors, attendez, par contre, je vais vous montrer quand même un peu de gameplay. Voilà, on va combattre le boss. Le trésor... Ah non, c'est pas le boss. Ah non, ça tombe bien. C'est un niveau bonus. Alors bon, on va pas le faire en entier, mais voilà... C'est l'un des nombreux niveaux bonus. Que l'on a. Donc des fois on joue Bentley d'ailleurs. Notre acolyte de toujours. C'est celui qui nous fait des briefings. Avec les cutscenes et tout. La tortue. Et sinon... On a aussi quelques petits niveaux avec... Avec un autre coéquipier que l'on voit moins souvent, c'est Murray, il me semble qu'il s'appelle. Voilà, une sorte de Globox, hein, si je puis dire. Un peu le crétin du groupe. Enfin, le naïf. Et forcément, faut qu'il soit gros. Et c'est un hippopotame. Voilà. C'est vrai que. Je fais pas dans l'ordre, là j'en parle comme ça alors que je devrais en parler au tout début de ça, des personnages. Bon, on va pas réessayer, c'est un peu pénible. Généralement, les mini-jeux ne sont pas si simples que ça. Faut un peu se concentrer. Enfin, celui-là fait partie des mini-jeux les plus durs. C'est assez ironique parce que c'est quand même le tout premier. Hein. C'est dans le monde 1. Alors attendez, hop, on va aller là-haut. Ah, on peut pas aller là-haut? Attendez, comment ça marche déjà? Ah voilà, œil de la tempête. Hop, là, il s'est propulsé avec le canon. Voilà, le canon. Vous avez bien compris, c'était l'endroit où il fallait faire tous les niveaux pour pouvoir débloquer le canon. Je hais les invités surprise! Attends, Alec, tu anéantis ma famille et tu me voles mon bien? Ah, donc là, la grenouille, c'est... C'est le grand méchant de ce premier monde. Désolé de ne pas avoir terminé le travail. En effet, nous aurions dû te lier.
immédiatement. Je vais me transformer en géant. Et je vais écraser la... D'ailleurs, on reconnaît le doubleur. Hein, je... Enfin, j'entends souvent cette voix-là dans les Simpsons. Bon, il n'a pas fait que les Simpsons. Hein. Mais, en tout cas, ouais, c'est, ça me rappelle les Simpsons. C'est peut-être lui qui fait Mo Sizzlack, hein, je ne suis plus sûr. Bon, en tout cas, voilà, premier boss, donc, bon. Qui dit premier boss, dit boss assez simple. Faut quand même faire un petit peu attention. Faut attendre que la grenouille soit, hop, dégonflée. On esquive. C'est plutôt simple. Hop. Et les boss ne sont pas très difficiles hein, dans ce Sly Raccoon. Enfin même jusqu'au boss final, ça a toujours été quand même assez simple. Bon, on a quand même un petit challenge quand on est contre le boss final, mais bon, ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Par contre, voilà. Hop. Ça commence à être un peu plus chaud là. Ah, c'est vrai qu'il faisait ça, purée. Je me suis fait avoir. Bon. Théoriquement, je ne devrais pas me faire toucher, quand même. Ah, d'ailleurs, on a l'une des capacités que l'on obtient assez rapidement dans le jeu, si on réussit à trouver toutes les bouteilles. Dans l'un des premiers niveaux. Il me semble que c'est même dans le tout premier niveau qu'on a cette capacité-là. Ah, petite cinématique. Précision, la spécialité de mon ancêtre, Ryoshi Cooper, le saut en flèche du ninja. Il l'avait inventé pour s'infiltrer dans les châteaux forts japonais de l'époque féodale. Mon évasion du bateau de Raleigh fut rendue plus voilà, donc généralement, voilà, comme il explique ça. Souvent, en fait, les capacités que l'on apprend, ça fait partie des capacités de nos ancêtres, tout simplement. Sans la machine tempête, les eaux redevinrent vite un lieu de navigation paisible, et le triangle de Galles ne fut bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Mes amis et moi-même profitâmes du soleil de l'Angleterre quelque temps encore, puis reprîmes le chemin de la maison, excités par notre nouveau défi. Voilà, donc on a à chaque fois une cutscene, que ce soit au tout début du monde, mais aussi à la fin du monde. C'est plutôt sympa. Voilà, là on se retrouve dans le hub central. Voilà, Murray qui est juste à droite. Et Bentley, la tortue. Ingénieuse. Il faut forcément un intello dans le groupe et un abruti, voilà. C'est toujours, voilà, c'est quand même assez cliché. Mais bon, on s'y attache quand même à ces personnages. C'est quand même... ils sont plutôt rigolos. Tac, tac. Donc dans ce hub central, en fait, on peut... Alors, si on va là-dessus, il me semble que voilà, c'est là qu'on peut revoir toutes les cinématiques. C'est plutôt cool. D'ailleurs, on a une cinématique version... Tokyo, ils mettent. Version Jap. C'est plutôt rigolo. Peut-être que je vous la mettrai. Ouais, je vous la mettrai à la fin du test. Qu'est-ce qu'on peut faire voilà, donc là nous avons bon, le monde 1 que je viens de vous montrer. Je vous ai montré quelques niveaux. Le monde 2 qui se passe dans un univers Far West, un peu. Le monde 3, bah, le monde du marécage, donc ce n'est pas folichon, c'est assez classique. Le monde 4, monde dans un, qui se passe dans une époque féodale, Japon féodal. Et le monde 5, bon, je ne vais pas trop vous spoiler, même si bon, le jeu date. Mais bon, les vidéos test, alors, il y en a certains où je spoil le jeu, mais bon, j'essaye le plus possible de pas trop vous spoiler. C'est difficile, c'est très difficile.
Et si je vous spoil, bah évidemment, je vous préviens avant. Voilà, comme je l'avais fait pour The Last Guardian il y a longtemps. Enfin, j'avais prévenu dans l'espace discussion sur YouTube. Dans la description. Bon. C'est déjà ça. Tac, tac, tac. Ah, qu'est-ce que je peux vous montrer? Attendez, est-ce que si je vais dans ce niveau-là... Par exemple, un sacré départ. Ah non, c'est pas comme ça. Attendez, il faut que je trouve le moyen de vous montrer aussi une petite particularité quand on finit... Quand on finit toutes les bouteilles, qu'on a 40 sur 40 pour les coffres-forts, eh bien, on débloque une petite surprise. Alors, c'est dans quoi, déjà, ce truc-là? Quitter le niveau, peut-être? Planque. Voilà, c'est entre guillemets, là on est dans le van. Il est assez grand, le van. Alors qu'en réalité, quand on le voit de l'extérieur, il est tout petit. Donc c'est un peu disproportionné là. Attendez, comment on fait déjà pour avoir crédit, Panda King sur glace? Attendez. Bon, moi le premier niveau. Si on fait le premier niveau. Ah voilà, commentaire. Voilà le concept qui a mené à la machine tempête de Raleigh. C'est l'un des tout premiers niveaux que nous avons réalisé. Et on n'a pas arrêté de le modifier encore et encore. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça détend aussi. On a ce petit bonus là. Donc c'est-à-dire les commentaires des développeurs. Alors, okay. Donc évidemment, là, c'est doublé en français. Mais voilà, c'est plutôt sympa, les commentaires des développeurs, comment ils ont développé le jeu, comment ils ont fait le niveau, comment ils ont créé le niveau, etc. Les petites anecdotes à droite à gauche. Mais c'est plutôt cool. Voilà. Donc on entend en fond. Par contre, il y a souvent des temps morts. Et pendant au moins 5-10 secondes, ça ne parle plus. Et après, hop, ça reprend. C'est un peu dommage à ce niveau-là. C'est pas très bien rythmé. Peut-être qu'ils ont pas trop fait de montage et que voilà, ça a été coupé un peu trop tardivement pour certaines interviews. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, la transition entre un collègue et un autre... un développeur et un autre est assez longue. Tiens, le syndrome, ça c'est pas mal. C'est aussi un niveau bonus. Alors, il y en a que deux, il me semble, des niveaux bonus de ce style. C'est-à-dire que c'est une petite course. Parce que Murray, évidemment, c'est un pilote. Un pilote hors pair. Un peu stupide, mais un pilote hors pair. Attention. Ah, d'ailleurs, il a la voix de la grenouille. Hein. C'est le même doubleur. Ah, je gère. Ah, voilà, c'est ça. Et par contre, c'est quand même vraiment au pixel près, ces phases-là. C'est pas évident. Je pense pas que je vais réussir... Attendez, c'est comment pour utiliser la nitro déjà? Ah oui, c'est ça. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est généralement, en fait, ils partent un peu devant hein, les adversaires au début. Puis après, faut réussir à les doubler. Hop, avec les nitros. Bien entreprendre les virages, etc.
Voilà, c'est une petite course. Ce n'est pas non plus sensationnel, hein. L'effet de vitesse n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais voilà, c'est un petit mini-jeu, hein, plutôt sympathique, qui permet de diversifier le jeu, l'aventure du jeu. Hop. Après voilà, les adversaires, ils ont vraiment un tracé basique, et ils font toujours ce même tracé jusqu'à la fin. Ils n'ont pas vraiment une IA. C'est ce que je veux dire. Et bon, encore une fois, ce n'est pas un jeu de course à la base. Voilà, c'est plutôt marrant. Après là, bah, évidemment, je joue très mal. Hop, j'arrive pas à l'avoir, cet imbécile, voilà. Hop. Mais j'ai eu plus de mal à faire ce premier niveau bonus de karting, là, si on peut dire ça comme ça, que le second. Le second est plus facile, c'est assez étonnant. Normalement, logiquement, ça devrait être l'inverse. Mais le premier est plus dur que le second. Bon. Très bien. Bon, je vais quitter. Ouais, voilà, c'est rigolo. Donc voilà, nous voilà à l'hub central du monde 2. Attention à l'ennemi, hop. Ah, il peut y avoir des ennemis comme ça qui nous attaquent directement au cac, au corps à corps. Bon, ceux-là ne sont pas trop dangereux. Et donc, ils sont dépourvus de lampe torche. Alors que ceux qui sont pourvus de lampe torche, comme celui-là, bah, eux, faut surtout pas qu'ils nous repèrent, sinon bah, ils nous tuent quasiment instantanément. Sauf si on a un fer à cheval, ça passe. On a une seconde chance, mais sinon, ils nous tuent direct. Bah, d'ailleurs, ils ont enlevé cette idée dans les futurs slides. On a une barre de vie. Bon, les slides d'après ont un système assez différent, finalement. C'est que ce premier Sly Cooper, enfin Sly Raccoon, qui est vraiment, au final, un jeu de à la fois plateforme et infiltration. Mais vraiment plateforme pur jus. Car les futurs Sly Cooper... Parce que je crois que c'est plus Sly Raccoon, après c'est Sly Cooper, les suivants. C'est juste le nom du personnage. En tout cas voilà, les épisodes d'après sont... Tiens, on va faire le casino, c'est un niveau assez joli. Les épisodes d'après sont plus... Il y a beaucoup plus d'énigmes. Et c'est un petit peu moins plateforme. Ah voilà, et j'allais dire, purée, j'ai oublié d'en parler. Le premier, enfin l'une des premières capacités que l'on gagne, c'est une capacité qui nous permet de se rattraper, de ne pas tomber dans l'eau. C'est complètement pété. Alors, quand on a un fer à cheval, on en perd un, en tombant dans l'eau. Et on remonte à la surface illico presto. Je fais n'importe quoi. Alors, on peut pas se cacher comme ça. Et par contre, voilà, si on n'a pas de fer à cheval, évidemment, on meurt directement. Et voilà, cette capacité nous permet de ne pas tomber dans l'eau, à la fois de ne pas tomber dans l'eau, mais aussi de ne pas perdre de fer à cheval. Donc au final, l'eau nous fait rien. Voilà, du coup, c'est complètement pété. Petit passage comme ça, assez sympathique, où l'on doit céder des plateformes qui bougent, des décors. D'ailleurs, généralement, les plateformes sont
si je puis dire, interconnectés. Bon, c'est-à-dire que c'est logique. Par exemple, là, voilà, hop, on saute sur des espèces de lampes, des espèces de... de lustre. C'est pas une plateforme qui vole toute seule comme ça. C'est ça que je veux dire, c'est assez logique. C'est relié par une chaîne, etc. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Je fais n'importe quoi. Voilà, par exemple, voilà, je n'ai plus mon fer à cheval. Et donc, par exemple, si je tombe dans l'eau, en appuyant sur, en appuyant juste sur croix, hop, le personnage remonte direct à la surface. Et il se remet direct d'aplomb. Et ça, normalement, ça nous coûtait un fer à cheval. Et ben là, ça coûte plus rien. Grâce à la capacité en question, que l'on déverrouille direct... au premier ou au second niveau du jeu, quand même. J'ai trouvé ça un peu abusé. Sachant que les bouteilles ne sont pas très difficiles à trouver. Alors, j'ai un peu galéré pour le premier niveau, par contre. Pour la bouteille du premier niveau, j'ai un peu galéré. Si j'avais pas tout de suite trouvé la bouteille, il fallait casser la poutre du bateau. Je trouvais ça un petit peu fourbe. Mais bon, après, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'éléments destructibles dans le jeu. Ok, je vais trop vite. C'est magnifique. On a pas mal de checkpoints. Hein. Il y a des checkpoints, voilà, juste ici. Donc le jeu n'est pas trop punitif. Hop, au niveau du sound design, c'est assez original le fait que à chaque fois que slime marche, voilà, ça fait une espèce de bruit de pas, tout, comme ça. Des bruits de cordes, de guitare acoustique, ou de basse plutôt. Enfin, l'effet est plutôt sympa et ça fait très cartoon. Et ça montre que l'on est agile, souple et discret. Hop. Ouais, je vous ai pas dit, mais bon, je pense que vous l'avez remarqué depuis. Hein. Ben Dieu. Mais voilà, les personnages, tous les personnages du jeu. Sont en fait des animaux humanoïdes. Voilà. Bon, un peu comme un Star Fox, par exemple. Bon, ce qui donne quand même une direction artistique enfantine. Cette roulette géante tourne trop vite pour sauter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, ce n'est pas forcément un point faible. Hop. Si tu veux atterrir sur la zone verte. Voilà, faut atterrir... On est sur une roulette. Il faut atterrir sur le bon truc. Sur le zéro, évidemment. Sur le zéro. Voilà. C'était la fin du niveau. C'était plutôt pas mal. Voilà, il y a des petites idées comme ça. Le casino qui a été bien, parfaitement bien reflété. Hop. Mais bon, dans ce monde-là, c'est un peu crasse-pouille, c'est un peu pollué par les véhicules et tout. Bah, c'est très... bon, on est en Amérique, quoi. America! Fuck yeah! Voilà, donc il y a des endroits un peu crasse-pouille comme ça. Dans le désert, dans les canyons, tout ça. California. Euh...
Je pense que je vous ai à peu près tout montré. On va voilà, revenir à la planque. Bon, je vous montre vite fait un niveau du Japon et on va se quitter. Le roi de la colline. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. C'est un niveau bonus avec... avec Murray. Hop. Là évidemment faut le couvrir, il avance doucement. Mais sûrement. D'un pas assuré. Hein, évidemment. On le voit qu'il est très rassuré. Ça faut faire quoi là? Tirer là-dessus. Ouais, ah, pour lui faire. Pour lui faire un pot. On n'a pas droit à l'erreur, enfin il a quand même affaire à repasser, à repasser, à faire à cheval. Mais il faut quand même faire attention. Surtout que ces phases-là, faut être assez patient. Bon, même si elles ne sont pas très difficiles. Ouais, et ne faut pas lui tirer dessus aussi. Le Friendly Fire est en on, donc attention. Hop! On tire là-dessus. Sur les feux d'artifice. Voilà, donc au niveau du sound design, c'est vraiment sympa. Au niveau des musiques, bah, elles sont pas mal sans être non plus transcendantes. Elles collent bien dans le ton. Le ton du jeu. C'est souvent une OST assez calme. Hop, évidemment, parce que bon. On est quand même dans un jeu d'infiltration, hein. Un petit peu. Il s'est fait toucher. Ah, il s'est fait toucher. Faire attention. Enfin, ce n'est pas moi qui zoome, hein. C'est le jeu qui zoome automatiquement. Moi, je ne fais que bouger le curseur et j'appuie sur carré pour pouvoir tirer. C'est pour ça que des fois, il zoome un peu trop. Nickel. Et ce fut une magnifique victoire. Donc voilà, que dire de plus sur ce Sly Raccoon? Bah, c'est un incontournable de la PS2. Et si vous avez une PS3, bah... et que vous aimez les jeux de plateforme, à l'ancienne, eh bien je ne peux que vous conseiller ce jeu, qui est vraiment du même niveau qu'un... Bon, je dirais peut-être pas qu'un Ratchet... enfin... Peut-être pas qu'un Ratchet & Clank, premier du nom, et Jak and Daxter, mais en tout cas... Les slides suivants sont bien plus ont bien plus de contenu et là c'est vraiment du niveau d'un Ratchet & Clank et d'un Jak & Daxter. Mais par contre en termes de c'est sûr en termes de contenu il est un peu plus bon un peu plus soft, il y a un peu moins de choses. Mais par contre c'est quand même un jeu aussi qualitatif que c'est on va dire que c'est confrère. L'animation est très très bonne. On a une très très bonne animation qui a très bien vieilli. Les graphismes en cel shading sont très maîtrisés, très sympas. Et là dans cette compilation voilà, de remastered, ça a été très bien fait. Très bien relifté en HD. Puis voilà, que dire de plus, le gameplay est très très bon, très maîtrisé.
Ça demande un petit temps d'adaptation au tout début, voilà, parce que le personnage est un peu flottant. Mais sinon, par la suite, on s'y fait très rapidement. Donc voilà, globalement, un incontournable de la PS2. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. カルマリータちゃんには悪いけど今回も俺様たちの勝ちだ。このデータファイルがあれば父ちゃんの敵が打てる。あれはまだ俺が子供の頃だ。よく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ。俺様の一族は代々伝わる義族の家系、そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの伝承。その洗練を極めた忍びの技だが、そこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった。義賊たるもの、名誉にかけて狙うは悪党のみ。善人からは奪わない。ところが、俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ。大切なラクーナの秘伝書を。 奴ら俺様の全てを奪いやがった。きっと中に書かれた技を使って悪いことをしでかすに違いねえ。そして俺様は一人ぼっち町の孤児院に入った。だがここで素晴らしい仲間に出会ったんだ。天才発明家頼れる相棒ベントレン、そして周り食いしん坊でちょっとドジだが、まあ憎めない弟分さ。仲間と一緒に俺様は父ちゃんの敵を討ち、 そして秘伝書を取り返す。クーパーの名前に恥じない義賊になれるか、それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ、俺様たちの運命はどっちだ。